Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Tout jour, pas dimanche. Tant qu'on y a un coup de zéclé, président Jovenel Moïse atterrit dans Fort Liberté. M'pas caché, dit nous, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est première fois, oui, président Kebe Peyal saccagé le comme ça. A un discours jamais entendu. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pas mandé m'causer, c'est moi qui a nous causer. Après président Jovenel, fin mette tout causer ça yo à te, moun met men en tête, moun tombe crise, moun volé, moun pompé, moun fâché, moun boudé. Gaye même qui dit, c'est dans conseil président, yo ta mette men yo. Gaye qui fait qu'on est 2001, 2004, pas 2021. Farine n'a pas vini dans même sac, sac te passé dans VEA, pas passé dans enterrement. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, président Jovenel, savonne nek jounen jodi ya. M'pas caché, dis-nous. Président, vide de l'eau, el tout di moun, sous san tout mouye, bali canal, puisque lui-même, li pap kite tête pays ya, pou loué, kote le sorti avec pays ça, pou la gel bay, oligat kompi yo. Rete là, pas déplacé. Rale ti chez ou, chita, confortablement, m'pral bot tripota yo nan bon ti mamite, ak toute explication. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait nous confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter. Activez cloche notification Pau là pour pas rater aucune vidéo. Zami Pau Foucault. Nan discours président journée jodi a en dedans Fort Liberté nan grand nord pays a président fait konnen sa ki te passé nan veye a pas passé nan enterrement puisque en Haïti nous touye président nous exilé président nous mette président en prison nous font paquet l'autre gros bagay ensemble avec président mais cette fois-ci Farine n'a pas vini dans même sac, sac passé, président ça, son zo, li resi croqué dans gagan nou. Et ceci, ou mettre prend banane nan, ou a frein nan gorge ou pour faire le descendre, li pap ka descendre. Ou mettre prend des pisse de l'eau qui nan pays ou bois d'elle, li pap ka descendre parce que zo poisson ça li même, li croqué entrave nan gagan nou, c'est celle opération kapedo sauver, mais on connaît opération nan gorge ou a passer tout près la mort. Donc de toute façon tout le monde rete avec Zoyo Koke nan gojou. Président déclaré si 4 ans pas tout yo, c'est pas un an ça pour peur qu'on s'assoie là. Calmate Bouki, sak passo là. Madame, mademoiselles et messieurs, est-ce que nous songez blague Bouki ya? Bouki qui a 5 ans pour te passer dans prison. Bouki fait 1 an, fait 2 ans, fait 3 ans, fait 4 ans. L'el rive sou, nou konne yon ane ge 365 jours, Bouki rive sou 364 jours, Bouki touye tête li. Président te utilise même ti expression sa, pou le faire monsieur yon konne, si 4 ans pas touye nou, se pa grenane sa, pou nou pe kon sa, eh bien, zo poisson arrête red, nan gorge nou président sa, li pa fe yon pa kita, yon pa nago, li pa ge pou exile, yon pa ge pou mette l nan prison, ni tou yon pa katouye, la prete la en baje yo, en de temps pays. Entendez nous déclaration président Jovenel Moïse là. Et m'connel de dire ça et monsieur m'a dit aujourd'hui devant caméra, gardez bien pour nous m'garde avec nous, pas ca venir dire. Gardez bien pour nous. M'pas jamais ca venir servir nous. Moi venir servir moun ça devant nous là. Les oubliés de la République, moun depuis nous fin tuer des salines yo. Nous tuer président, nous assassiner président, nous exiler président, nous emprisonner président. Mais pas oublier qu'on dernier président qui croque dans gorge, monsieur. Nous pas qu'à tuer ça, nous pas qu'à assassiner ça, nous pas qu'à emprisonner ça, nous pas qu'à exiler ça. Il croque dans gorge. Bon, ok, monsieur le président, nous comprenons. Mais, il y a un
pile moun ki fè konnen ke ou a persekite yo, par exemple, ou coupe yon paquet de contrat en dedans pays ya, et ou fè konnen ou se moun ki mette pays ya nan mizè ke liye jounen jodi ya, ou ran ke nou pa ka jwenn dola Ameriken, sa ve di, yo pa vle won nan tèt peyi ya se dégage 7 février rache man yok bay te ya. Donc en ce sens, ki réponse wa ba yo? Fè nou konnen nou président. Et men di nou jodi ya, président sa tou, pas venir pour persécuter personne. Il est venu pour dire nous que bagarre là pas qu'à continuer comme ça encore. Il vient dire nous que pays a pas qu'à dépenser 20 millions de dollars par mois et puis pour ces seuls Port-au-Prince qui gagne 4 heures de temps courant par jour. C'est ça il vient dire nous. Président ça, il vient dire nous comme ça. C'est pas possible pour depuis Dessalines fin mourir, on monde pour sortir gonaïve pour l'aller Port de Paix obligé faire 4-5 heures dedans. Président, ça. Levin dit nous comme ça, l'air et soleil, c'est pas crier pour moun yon ap crier. Levin dit nous comme ça que soleil, là, nous avons fait le tourner de l'eau. Ça veut dire nous avons mis un système qui marche avec soleil pour vous éjader. Président, ça. Levin dit nous comme ça. 1 million moun qui travaillent dans l'agriculture. 284 rivières pas jeter dans l'en mer. Président Savin dit nous monsieur mettez tête avec lui pour nous construire barrage sur toute rivière ça pour nous user jardin. Même Jean ça commencé faire barrage Marion pour l'inaugurer là le 1er mai et barrage la Danre qui a construit jodi a moun malfétique te kon inondé. Yo pas wè de l'eau encore. Mais on pas jamais poser tête yo question côté de l'eau te kon inondé. Bon, président, jusqu'à présent, nous capables de comprendre ce qu'on dit. Mais là, il faut bon mon explication qui pique là. Donc, comme nous connaissons pendant 4 années ça yo, qui sont passées là, donc, pour nous bien dire, dès le jour qui pral venir là, et nous connaissons 7 février pral arriver, en ce sens, en pile moun fait qu'on est que c'est 5 ans ça fait, ou même on dit c'est 4 ans ça fait. Donc, qui message ou ap voye, bay monsieur, parce que nous connaissons pendant 4 ans ça, comme on dit bagay la pat aussi facile pour nous discours passé yo, yo voyon paquet roche sou, yo krasé brisé, yo bon pays lok, yo bon 6-7 juillet, qui réponse ou bay monsieur ça, puisque nous même peuple là, nous ta reme konne qui décision face avec dossier 7 février kap vini là. Pour qui ça nous pas de 4 ans et puis nous pète 6 années à 11 ans? Hein? On tire ce mandat? C'est sac dérangé nous, monsieur. Monsieur Von Bablier, ma parle avec nous oligarques corrompus dans le pays. Songez dans la campagne, ça me dit. Moi, je dis au commencement de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jodia, je décide pour me commencer par la peuple, moi encore, parce que c'est lui qui est bon pouvoir. Mon grand boss, même quand je vais te faire un président, elle n'a pas vu pour la paix même, non cette fois-ci. Ça a passé comme ça. Donc, président, en pile moun fè qu'on est dans tout rak bois, yon tal chècho pour venir mettre au koto yé jounen jodi. Mais, ça qui passe, yon fè qu'on est que c'est au même qui bosse ou c'est au même qui dépense pour vous. Donc, yon pas qu'à comprendre un petit malheur ou yon pour fréquent à niveau ça. Qui réponse wap bay moun sa yo ki di ke se yo même ki te finance ou se yo même ki bon pouvoir et puis jounen jodi a ou pense ou kaka le corps comme ça. Est-ce que c'est vrai se yo même ki te bon pouvoir ou bien c'est peuple la ki bon pouvoir ou bien moun sa yo est-ce que c'est boss ou yo ye tout bon vrai? Expliquez-nous monsieur le président. Sou même ou ta gen l'idée pou vin boss pam al meto nan mi tan peuple la. Ou pap ka boss moins parce que président ça jodi a koke nan gorjoa li pa gen boss li gon grand boss pa payen. Mais di nou jodi a système pesé sous ces ça que nous construya. Ce système ça c'est lui même qui gen pays a non instabilité politique, non instabilité économique avec une instabilité sociale chronique et instabilité ça yo. Ça veut dire turbulence nous yo. C'est eux qui baillent misère, pauvreté. C'est eux même qui baillent insécurité, kidnapping. C'est eux même qui baillent. Et vous me dites, ça a servi tout, hein? Vous avez tout ce que vous avez fait. C'est eux même qui baillent raté artificiel, gaz.
raté artificiel dollar sous avec gaz là monsieur bon font petit balak nous pour ça nous fâcher comme ça bagala nan men nous songe l'autre relé nan nan téléphone on décide pas là bon matin oligarque corrompu ça cap tande m'cap garder moi l'autre relé nan téléphone ou dim comme ça gen 50 ans président depuis bala fait comme ça m'dou gen 50 ans de pour voler jodi a bala pas continuer comme ça ou songe. Yeah, monsieur le président, Kounia, Meden, y a une question m'gé pour. Réponds-moi sincèrement et allez directement. M'songe dernièrement, ou t'as raconté ton histoire, mais ou pas fin baili, non? Ou dit qu'on nèg, ou y'a te voye koto, pour dossier 4 jeunes, comme nous connaît pays d'Haïti, c'est 3 jeunes nous gagnons jusqu'à présent, nous pas qu'à gagner 4 jeunes. Et c'est une bagay tout. Qui fait que ce domaine lui-même pas qu'à augmenter génération par là puisque s'il t'a passé à 5G la brenne nous là parce que nous-mêmes ce domaine là 4 pral prend 5 et puis nous-mêmes nous dans 3 toujours et puis président expliquez-nous dossier 4G ça nous puisque nous-mêmes nous t'a remé connait et population cap couteau là t'a remé connait qui ça 4G a comme m'songe bien avant on te dit ou pas de compte ça que t'es 4G a et c'est juste en après on pral connait c'est quoi le 4G en ce sens monsieur le président ba nous plus détails parce qu'on connaît détails très très important pour peuple là songe là me fait monter président en 2017 songe émission de voye côté non qui te vinn dit me comme ça que 4G a c'est pour 10 millions de dollars pour me faire 100 premier jour non l'aime dans des 10 millions de dollars ba me fait monter président ba me comme ça 4G. Non, nous avons 4G, peuple. Ah, ben bon. Nous avons 4G. Eh ben, c'est pour ça que nous devons nous voir dans la rue. Pour nous ouvrir les yeux, nous. Pour nous parler de tout. 4G, nous avons qui s'allie. Gardons le téléphone intelligent, nous là. Si vous avez Internet dans la zone, nous pouvons marquer 3G, pas vrai? Ça veut dire 3e génération. 4G, c'est 4e génération. Ça veut dire, son licence liée, mais qui est-ce qui vend licence ça? C'est l'État qui vend. Moi-même, fait mon président, bon, est qui vient dire, bon, mon cher, dans 100 premiers jours, bon, 10 millions de dollars, dit monsieur Posé. Tendez, ouvrez oreilles, nous. Après 2 ans, moi, je recevais un gros taux encore. Il dit, mon président, bon, pas j'aime dire, soit avec 4G. Je dis, monsieur, ça, 4G. Mentir. Mon j'en a passé les bonnes. Je dis, ça, 4G. Quand il y a, je dis 4G, c'est 4e génération. Je dis, ah, c'est vrai. Ok. Mon cher, c'est 70 millions de dollars qui offre pour lui. 4G, c'est 10 millions. Hein? En 2017, les 10 millions. En 2019, les 70 millions. Je dis, bon, 4G, ça, il faut me chercher marini et parini, papa. 10, 70. Pendant, pays a pris du feu. Gon gwoto m ne bay gwo job wi li vin di m 4G a président 150 millions di oh di we fout gadon 4G vin bon papa 10 millions 70 millions 150 millions m pose pi regarde m chita sou 4G a la m bon dan rouge on ya gwoto di kon sa bon nou kon sa passé avec 4G ça pou régler. On nous investit son cob dans la transition. Là, nous m'a parlé avec vous. Je ne sais pas qui parlé. N'est-ce pas pour son argent, n'est-ce pas pour ce là-bas? Payable bloqué, attendez. Du fait libre. Et puis, il y a un qui est dans le téléphone. Il dit, président, Jean-Bala est là. Est-ce qu'on a quitté tout pays à bouler net? Ou bien, président, il faut aller au président. Je dis, monsieur, je ne sais pas. Je dis, monsieur, qu'il aime aller. Je dis, qu'il est président. Je dis, monsieur, 7 février 2022. Monsieur, Joe. Ok, président. Et qu'on y a parlé bon, oui. Donc, en ce sens, première fois, il devine koto, il bon 10 millions. Deuxième fois, il doux 70 millions. Ça veut dire, c'est 7 qui multiplié par 10. Jusqu'à présent, je comprends. Troisième fois, il devine koto, il doux que la 150 millions, ça veut dire, il a boule pays à net. Donc, expliquez-nous, nous, qui j'en filme, ça te fini, puisque nous t'en remè connaît, qui j'en fait débarrasser avec messieurs Sayo, qui tactique qu'on employé, et dossier 4G, ça qui côté lié, journée jodia, puisque on connaît nous besoin internet pour nous fonctionner dans le pays, ya, normalement. Retournez, peuple, ouvrez ça, et nous, c'est dans 4G, 4G. 4G sorti dans 10 millions, 4G tombé dans 70 millions, 4G vin dans 150 millions, qu'on y a,
m'vin di bon 4G j'en ba la ya la m'tande fò m ale m'an va m ale bon meton kontrol ministre travaux publics la retire ma sa nan figou pou yo wow wow kapè pou yo kapè kapè pou yo beni konya toro sa fòn ba bliye 4G a c'est sous compte monsieur lié 4G a c'est sous compte travaux publics merci ministre toro sa m'di monsieur mais là puis on oublie jo son moun ki remet travail a moun ki konnen en pile konya sa me fait m'ré lon série de gros experts me faire venir ba mon consultation sur 4G là venir ba mon consultation dit me 4G a petit cob pour 4G a bam c'est 350 millions de dollars dit oh 4G 10 millions 70 millions 150 millions konya c'est 350 millions konya me dit expliquer bien yo bim 4G a son contrat qui là pour signer pour 15 ans ça dit son contrat ou même comme président signer pour 15 ans en dans 4G a nous songeait que ancien président était un programme li devine avec lui qui était relé psugo qui prend 5 centimes quoi sur chaque appel téléphonique nous connait ça maintenant moi même madame président moi voyer dossier ça dans ou vers ay nous dit nous mais vous voyez dossier ça dans le Parlement. 50e législature a voté loi sur Fonds national éducation. Tendez bien, FNE a connu en tant qu'adjoint. Tout. Parce que lui-même, il y a un gros bladon. Quand il y a même côté, il y a fini bon, toute documentation. Mais mon conseiller a fini de même un de droit. Moi, le ministre, je dis ministre. Le directeur général Konatel là nous va détailler 4G là me vienne détailler 4G net moi vienne dans 407 millions de dollars nous signer 4G pour 15 ans pour 407 millions de dollars en dans 407 millions de dollars gain 150 millions de dollars qui pour FNE lycée ça que magistrat saute baléa c'est comme ça le dit on va le mettre sous lit pour reconstruire parce que Rescob qui était gain dans Parlement Kobla, c'est 1 milliard de gouttes, que le nom 1 milliard 200 millions de gouttes. Ça veut dire, je voulais faire. Mais quelle quantité de terrain ça a? Ok, il y a assez. Ça veut dire, nous avons besoin de faire un gros lycée de référence. C'est dans le reste comme FNU en balpon pour nous mettre là-dedans. Ça veut dire, mais expliquez-nous tout ça. Mais expliquez-nous tout ça pour qui ça? C'est pour nous comprendre la persécution qu'un président a subi. Instabilité politique pays a nous a boule pas jambe ka poser a c'est pour nous pour qui ça va ka poser pour qui ça que pays a pas jambe gain la paix tout étant oligarque corrompu ça yo pas vle mais nous comment dire ça nous répéter ça son belle bagarre OK président me comprendre kounya après c'est ça monsieur qui boyo fola là ay la m'ta di nou nagande yon pa jouye, a ekoun yon m'kopren. Oh, monsieur le président, se ou ki tout gasso sa? Hey! Gade ou jojo papa? Hey! Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'sezi. Oh! M'sezi. Ou ki tout gasso sa, jojo? Donc, eh bien, jojo, si nou bien kompren, pou veneg yo se madi gra yo e ou pape yo, parce que si ke ou kakan pa fas yo, neg yo bon 6-7, yo bon peyi lok yo fe 4 an jondi ap krasé brisé, fok ou ale, ou kampe red kouke makak kon sa. Donc, ou ponti moun ki piti, ki sote di neg yo, fas avec situation sa, malgré tout difficulté, malgré tout roche yo tire sou, ou jos rete président pays d'Haïti. Explique nous non, ki réponse ou te bay neg sa yo, après tout temps yo fap krasé brisé ya, et ou konne dernière année sa bagay la pi red, puisque ou dou 7 février fo ale. Fak gon moun, ki te monte président, ki te di système nan, ma di gram pape ou se moun we. Et même tout le système ça. Jodi a décision me prendre comment me commencer. Me dit m'a craser là. Songez ça me dit système n'a rien. Li gen gardien, li gen maître, li gen héritier, li gen bourreau, li gen victime. Bon,
Monsieur le président, nous comprenons très très bien et population t'es vraiment content façon qu'on t'a parlé à puisque tout le monde ouais nèg pas de père garçon canson c'est pas nèg qui porte canson yo poubelle toile ti nèg rendez on c'est diable même j'en nèg porte au prince remédil parce que nèg ça ou pas konn qui j'ai au travail et non seulement ça tout pas ka jamais comprendre capacité jusqu'à présent dossier 7 février a gayon point d'interrogation sous lui puisque bon côté pas opposition pour que j'aime gon décision ferme qui prend et bon côté pas pouvoir li style continue à dire que 7 février la pla pirette puisque mandat la fini 7 février 2022 en ce sens mesdames mademoiselles et messieurs qui sa opposition pral faire après discours ça président Jovenel Finbay dans fort liberté journée jodia qui prouve et qui dit clairement que li pap font pas qui dernier zèle 4 qui pral jouer sous tout déboyo parce que président Jovenel Moïse lui-même li campé li dit la campé bataille m'a dit gram papè ou c'est mounouyé après mon gemon farine n'a pas fini dans même sac ça qui t'est passé dans veille pas passé dans enterrement c'est toute déclaration ça président Jovenel Moïse fait connait que c'est peuple là qui te bali pouvoir si gagon moun la retourner pouvoir bay c'est peuple là pas li pas gagné personne qui bosse li pas borisite moun qui bosse li a li rele le peuple ça veut dire tout moun qui pensait c'est président ça ou pral prendre en pelle c'est président ça ou a descendre dans gagan nous et eh bien li tout nos poisson cette fois-ci ça réussi croquer dans gagan nous personne pour qu'on qui ça au pral fait comme jusqu'à présent opposition pour qu'on kabay qui est-ce qu'a président si président Jovenel Moïse t'arrivé à aller 7 février donc jusqu'à présent nous style a fait macaca pendant journée jodi a te gè gros manifestation nan Port-au-Prince en pile caoutchouc kaboulé en pile causé piment bouka a pran lè et président lui-même li nan grand nan pays a inauguré a travail en ce sens personne pa ko konnen ki sa pral passer dans deux jours sa ou k'ap vini là puisque gon machwe won pral chavirer mais avant d'aller monsieur le président m'ta reme konnen ki dernier message ou genye pour opposition avant journée ça a fini mes frères de l'opposition je vous adore je vous aime tous je vous aime pas jamais contre personne mal en compte. Oui, c'est comme ça, président lui-même tape exprimer la moule face à opposition. Elle fait au monsieur au connais au poisson ça coquen nan gojo, li pap font pas kita un panago la prêté là. Li pap exilé tête li, yo pap katouyel ni metel nan prison, mais la prête là en bas, j'ai autant qu'on pongongon, la style toujours coquen nan gagan yo. Elle dit nous qui position communauté internationale là qui gens y a ouais situation cap déroulé dans pays d'Haïti. Allô, Jacqueline? Oui, Sandra. Moi, fait tout gagner commentaire département d'État sous situation en Haïti. Donc, c'est l'île pour qui ça que je dis. Les États-Unis, ensemble avec organisations internationales, continuent à demander tout membre société civile haïtienne pour respecter l'ordre constitutionnel là. Nous lançons appel par le gouvernement haïtien pour organiser élections libres et honnêtes pour que le Parlement soit capable de reprendre le rôle législatif. Les États-Unis ont adopté la même position avec l'OEA, Organisation État américain, qui dit qu'il faut transférer le pouvoir exécutif la fête d'une façon démocratique. Un nouveau président élu doit remplacer le président Moïse, le mandat libre. 7 février 2022. Peuple haïtien méritait opportunité pour l'élu leader d'y choisir et puis restaurer institution démocratique. Les États-Unis insistaient pour gouvernement haïtien exercer restreint, mettez Donald Duvel, non à faire passer des créas et servir avec pouvoir ça seulement pour organiser élections législatives ou bien pour faire face à questions urgentes côté la vie peuple là, santé peuple là, ou bien sécurité peuple là menacée pour que le Parlement capable de prendre responsabilité constitutionnelle comme ça doit. Donc ça, c'est position département d'État. Nous faisons parler avec eux. Et ils dit que le mandat président Moïse bout en 2022. Moi, gagné pour tout Jacqueline à position l'ONU, tout ça qui a passé en Haïti. Et position ça a venu d'après porte-parole
l'ONU, qui relait Stéphane Dujarric. Il fait nous connaît que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a suivi de très près la situation en Haïti. Il fait connaît que il est très encouragé par volonté plusieurs membres de la société civile là, pour joindre une solution pour la crise là, et puis assurer que l'élection juste, libre et honnête déroulée dans le mois qu'a venu. Et position pas au tout, c'est que le président Jovenel Moïse s'est prêté seulement 7 février 2017 pour un mandat 5 ans, qui veut dire que l'IV va bout en 2022. Et ma pour ajouter rapidement pour vous, Jacqueline, que porte-parole ONU défend BINUH et BINU. Et parce que nous connaissons que qu'il y a une lettre que RNDDH a envoyé par Mme Lalim, côté de critiquer le comportement. Et ça, l'ONU, porte-parole de l'ONU, a dit c'est que BINU a eu un mandat que le Conseil de sécurité a déterminé et que c'est pour lui, par le gouvernement haïtien en conseil. Pour promouvoir démocratie, stabilité, institution, bonne gouvernance et respecter l'état de droit et puis assurer que gagnons un environnement stable et pacifique dans le pays. Donc, il y a aussi j'ai rejeté critique que l'être la voyée. OK, merci Sandra. Donc, c'était journaliste vétéran Sandra Lemaire qui tape nous position l'ONU, position les États-Unis, département d'État, et position département d'État qui, même genre avec l'OEA, qui mandait pour président Jovenel Moïse remettre pouvoir by 7 février 2022 à qui un président qui va sortir dans l'élection, un président élu. Donc, c'est presque même position l'ONU gagné sous question, sous crise cap saccagé pays d'Haïti. Donc, nous dit Sandra, merci, qui t'es gantant parler avec et département d'État, et département d'État reprend, et ça l'a dit déjà, et puis position l'OEA. Et puis pendant ce temps, il y a un professeur Herbert Joseph, lui-même, qui vit dans New York, qui fait connaître que le président Jovenel Moïse n'a pas l'autre choix que remettre pouvoir 7 février 2021 pour respecter la Constitution. C'est un instinct, son réflexe haïtien pour envie qu'il y ait pouvoir. Donc c'est là que lié. Donc si mon problème là, c'est pas opposition que m'a soutenu. Là nous prenons lecture de constitution sur un article 134.2 quoi. Donc moi quoi que li clair pour tout le monde, mais excepté le président dit lui-même puisque il était monté 7 février 2017, il est là pour 2022. La craser échéance constitutionnelle là, s'il fait ça. Et non pas est-ce que il y a nécessité qu'on ait est-ce que toujours une chance encore pour un dialogue entre pouvoir avec opposition qui j'en regarde qui j'en regarde scénario qu'on y a là 7 février ça là si président Jovenel Moïse campé sous code là les îles pas font pas qui t'a en panago opposition il faut aller soit regarder qu'on y a qui ça pas arrivé mais attendez nous sommes vivre ça aux États-Unis côté tout on a et Trump pas voulu bail pouvoir mais de l'arrivée faut aller. Donc là aller après ça pour y être la fête. Vous ne savez que l'arrivée date ou pas qu'il faut qu'un arrangement avec Jovenel Moïse. Ça le voulait faire c'était pour un an pour le faire élection. Mais avec climat qui existe dans le pays là, côté que vous ne savez pas monde qui gagne cob que a kidnappé, c'est n'importe pauvre qui dans la rue qui a kidnappé. Une premier job au monde qui a dirigé un pays, moi comprendre ça monsieur Philippe que premier job au monde dans n'importe institution c'est la sécurité. Nous pas réussi à bailler sécurité, à pas rien cap marcher dans pays là. Donc rester pour faire qui ça, nous pas qu'à faire élection. Moi même plaque machine gouvernement Jovenel Moïse pas qu'à bailler. Comment il pas faire faire élection. Donc c'est vers crise nous pas marcher seulement. Affaire de monde qui dit oui, mais s'il aller qui est-ce qu'à remplacer. Là tout monde y aller, un bon processus pour nous voir comment ca recommence encore, mais il pas qu'à arrêter parce que l'autre monde qui vient après l'a dit bon lui même tout si Jovenel dépend un an, l'après tout l'après 2 ans, l'après 3 ans. Donc les papes cas comme ça. Donc nous voit que les mêmes si Jean-Claude Décadi pour l'empêcher on bain de sang après à l'école, Jovenel Moïse car à l'école et permettre que le pays a continué. Professeur Herbert Joseph, tu es parlé avec Jean-Robert Philippe dans un
et interview que tu fais sur Skype là bien professeur bien pour retourner et dans programme là une autre fois encore autour sur la voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC pays d'Haïti et 7 février jour J moins 2 nous souhaite gain position et les États-Unis département d'État qui dit que président Jovenel Moïse fait pour remettre pouvoir 7 février 2022 à qui on président cap sorti dans élection et les États-Unis à travers département d'État encourager élection déroulée dans pays pendant que le dit président pas cap abuser de décret sauf dans cas santé sauf dans cas élection sauf dans cas de sécurité ou sous la voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivre rendez-vous info. Merci d'être toujours été branché sous la voix de l'Amérique à permettre des pays Washington DC. Ou à suivre rendez-vous info. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Actualité haïtienne aux États-Unis. Président Joe Biden avertit communauté internationale là que États-Unis retournaient en forme de démocratie ou bien diplomatie retournait. C'est comme ça leader américain parlait. Elle t'a présenté politique affaires étrangères les États-Unis. Jean-Aubert Philippe. America is back. Diplomacy is back. États-Unis tournent, diplomatie tournent. Nous tous dans sans tout ça moins besoin réaliser. C'est mais ça président Joe Biden mettait devant diplomates et personnel département d'État américain jeudi 4 février pendant une visite qu'il était fait dans l'agence là. Mais ça la jeune tout diplomate avec personnel qui travaille dans pays étranger. Dans le discours, ça, chef l'État démarqué de politique ancienne administration Donald Trump qui t'a supporté par exemple offensive militaire Arabie Saoudite a mené dans la guerre civile là au Yémen. Président nommé diplomate de carrière Tim Linder King comme nouveau envoyé spécial États-Unis dans Yémen, une décision Brian Catulis cap travaille dans Center for American Progress salué. Professeur Herbert Joseph cap vive dans New York a gardé avec nous premier discours leader américain prononcé dans le département d'État sous politique affaires étrangères depuis la dirigée États-Unis. Le point saillant que nous-mêmes nous relevé, c'est que au départ, M. Duque lui-même, les États-Unis pourraient agir avec un pile, pourraient faire des progrès contre l'autoritarisme. Ça, c'est un point qui marque un pile dans le commencement du discours. Parce que non seulement aux États-Unis, mais même en Haïti, un pile de l'autre côté dans le monde, nous recueillons un coup d'État qui s'est fait dans la Birmanie. Donc, au départ, le président a déjà dit que les États-Unis pourraient prendre des mesures contre l'autoritarisme. Deuxième point, ça y est encore, c'est parce que M. mettait de souligner les valeurs intrinsèques de la diplomatie américaine. M. dit que l'ambition que l'on connaît, c'est l'ambition pour voir comment elle est capable d'adresser le problème chinois, c'est-à-dire la Chine qui voulait rivaliser les États-Unis. Comment elle est capable d'entendre avec les alliances traditionnelles des États-Unis d'Amérique. Par exemple, l'OTAN, au départ, même avant que le secrétaire d'État ait été approuvé, lui-même était en relais un paquet de pays. Traditionnellement, un nouveau président américain toujours parlait avec le Canada. Il y le Canada, il y le Mexique, il parlait avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Il réaffirme les liens États-Unis avec l'OTAN. Organisation traité Atlantique Nord, les discuter dans téléphone ou appel de courtoisie avec Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Et donc, qui veut dire, au départ, le président Legiado, que la longue main, par exemple, l'a reformé, l'a réaffirmé l'alliance américaine, et puis ensuite, l'a parlé avec adversaire. Adversaire que lui parlait dans le discours là, c'est la Russie, que le discuter avec Vladimir Poutine de. Programme START, c'est-à-dire sur question nucléaire, accord nucléaire que vous supposez gagner. Je crois que je dis à cette date butoir pour vraiment arriver avec un consensus sur ça. L'idée de discuter avec Vladimir Poutine de cyberattaque qui était passée aux États-Unis et l'empoisonnement de Alexei Navalny. Donc, il parlait de la Chine, lui-même discuter avec la Chine sur question droit de l'homme, propriété intellectuelle. Et gouvernance mondiale. C'est-à-dire, gouvernance mondiale, là, nous déjà voyons que côté économique dans là-dedans, qui était divisé l'administration Trump avec la Chine, côté États-Unis d'Amérique, est obligé à payer des subsides aux fermiers américains à cause de l'imposition de taxes que le gouvernement Trump a fait sous la Chine. Donc, qui veut dire,
point central nous-mêmes nous en pile mon a parlé matin hein, c'est surtout que l'elle dit que ça qui passe dans Yémen là c'est une catastrophe humanitaire. Donc c'est point ça que nous-mêmes nous souligner surtout dans discours ou bien dans allocution de Joe Biden en dans département d'État. Professeur Herbert Joseph, il y a une bague que nous avons cherché dans le discours ça, que le président mettait sur diplomatie, mais sur politique avec l'étranger des États-Unis. Nous avons cherché l'Amérique latine comme si on son point chaud tout lié tout dans le monde par rapport avec politique avec l'étranger. Mais nous voyons que, est-ce qu'on a dit négligé ou bien que ce n'est pas aussi important que côté, de côté le palais, tant que j'en fais pour Yémen, j'en parle de là aussi. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique latine n'est pas aussi important pour lui, pour l'administration américaine? Bon, pas quoi ça, même quoi que là, on a diplomatie étrangère, le plus souvent, on part avec, comme on se dit, point saillant, ça peut déterminer au commencement. Yo. Mais en même temps, il a suggéré, là, il parlait de valeurs traditionnelles de la diplomatie américaine, comme défense de la liberté, défense des opportunités, et droits humains, droits universels, l'état de droit, dignité humaine. Eh bien, quitte toute l'Amérique latine, Caraïbes, etc., ils ont entré en filigrane. Mais l'impact vraiment ouais, comme un point déterminant dans quelques jours depuis le bras d'administration. Et puis, c'est une question de rétablir l'ordre dans le pays-là, avec question de pandémie, hein, et ouais, comment le cabaret coopération mondiale, utiliser la diplomatie pour raffermir l'alliance traditionnelle, qui était à prendre pile coup à sur l'administration Trump. Tu as peut-être plus approché vers les forces réactionnaires ou bien les dictatures, alors que lui-même l'a renfermé à l'Alliance. Il devait mettre point sur ça. Donc, c'était professeur Herbert Joseph qui vivait dans New York, qui te répond une question Jean-Robert Philippe. N'a pas signalé que, et à constat là, il est assis entre les États-Unis, ou bien renouvelé entre les États-Unis avec la Russie. Et puis, dans le discours à tout, le président Joe Biden, les condamnés coup d'État qui fait dans Birmanien et tout avec arrestation Aung San Suu Kyi, qui c'est leader et gouvernement civil que militaire mettait à terre. Et puis tout, il prend position contre ce qui a passé dans la Russie concernant leader opposition politique là, Alexei Navalny. Et l'autre nouvelle, dans un petit moment. Opposition politique là dans le pays la Russie, Alexei Navalny, prend l'autre dimension. Moscou expulse trois diplomates européens qui sont mon pays, la Pologne, la Suède et l'Allemagne. Président français Emmanuel Macron condamné à toute force expulsion ça. Faire Navalny, je l'ai dit, je condamne avec la plus grande fermeté, du début à la fin, ce qu'il s'est passé. De l'empoisonnement aux conditions terribles du retour, à la sanction et la condamnation, et aujourd'hui l'expulsion des diplomates allemands, polonais, suédois qui ont été décidés par la Russie. Je pense qu'on ne gère pas les tensions politiques, quand bien même elles sont internes, de cette manière. Et je suis solidaire avec les trois pays qui ont eu des diplomates expulsés, et je continuerai à accompagner un message clair et de fermeté à l'égard de la Russie sur ce sujet. Bonne journée, le ministère des Affaires étrangères, où cela fait qu'on est que la Russie expulsait diplomates parce qu'ils ont participé à un rassemblement qu'ils ont estimé illégal, côté que plusieurs dizaines de milliers de monde dans toute la Russie ont soutenu Navalny, que l'autorité a présenté comme l'ennemi Kremlin. Dans le dossier coronavirus là aux États-Unis, il y a un paquet de monde qui a fait la queue devant le stade Yankee pour recevoir le vaccin contre COVID-19 là dans la zone Bronx, dans la ville New York, dans l'État New York. Centre sous coronavirus John Hopkins rapporte jeudi vendredi que il y a plus passé 104 millions de cas COVID-19 dans le monde et 2 200 000 personnes déjà mouru. États-Unis toujours été dans la tête liste là avec plus passé 26 millions de cas devant l'Inde lui-même qui gagne 10 800 000 et Brésil trouvé en troisième position avec 9 300 000. Et puis, c'est aux États-Unis, autorité médicale exhorté Américains pour prendre précaution dans l'occasion Super Bowl là, qui c'est finale football Zepol Carré ici aux États-Unis et c'est le plus gros événement sportif dans le pays. Et puis, taux chômage là à cause pandémie coronavirus là aux États-Unis, ministère du Travail a annoncé jeudi vendredi que taux chômage pour mois janvier, passer de 6,7% à 6,3%. Explication, il y a un peu de monde qui était au chômage, qui joue un travail, et il y a un groupe de monde qui suspend chercher, que pas considéré comme chômeur. Et puis pour finir, violence en Afghanistan,
Rebelle taliban ont tué plus passé 20 soldats gouvernementaux alors que négociation la paix États-Unis a dirigé en deux parties en guerre bloquée. Attaque ça a déroulé dans moment Washington a examiné un accord 20 février cap vin là avec gouvernement et taliban yo ça qui t'a exigé pour reste soldats américains qui en Afghanistan yo quitter pays d'ici mois mai cap vin là. Donc c'est quelques autres points qui a dominé actualité en Haïti et point qui continue à dominer actualité c'est jour J-2 et 7 février par rapport à 7 février nous connaît opposition a demandé pour président Jovenel Moïse lui-même quitter pouvoir dimanche cap vin là cap 7 février pendant que président Jovenel Moïse lui-même lui dit la remettre pouvoir bayon président élu 7 février 2022 et nous saute gain Sandra et qui saute expliquer nous position département d'état avec l'autre organisation internationale qui mandait pour société civile là respecter l'ordre constitutionnel pays a pendant que li mandait gouvernement pour organiser élection libre honnête et démocratique en façon pour capable gain un parlement qui sous place et yo rappeler encore même position que département d'état te gain avant ça côté que dit que président fait pour utiliser décret seulement pour question élection pour question sécurité et pour question qui gain rapport avec santé. Et donc c'est en gros position ça l'ONU allait dans même presque dans même sens là tout donc c'est un peu position communauté internationale là sous crise là dans pays d'Haïti et qu'on y a nous pour rejoindre Jean-Robert Philippe qui en général a couvert pour nous actualité à ici aux États-Unis actualité politique là Jean-Robert Philippe et dis-nous non est-ce que gagnons point que t'as aimé s'y aller pour téléspectateurs alors que nous pour boucler dernier programme nous pour semaine. Bonjour, bonsoir tout le monde. T'es content de passer ce moment ça ensemble avec vous et content pour te toute information ça yo pour. Moi remè en pile, moi pralé, m'a kito nan bra papa bonje parce que c'est lui même seul qui est capable protéger et bon la vie. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas m'se Foucault. Au revoir, à la prochaine. M'ramasse paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais m'a kito nan bra papa bonje parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.